Salut les amis! Le matin à 7h, il faut courir, hein? Alors, est-ce qu'on a démarré? Doucement, 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 d'accord, voilà, ok! Ça y est, on dirait qu'on démarre. Alors, on va se mettre en place les amis pour une séance aujourd'hui très intéressante. On varie un petit peu la séance d'aujourd'hui. Elle va consister à transformer la force que vous pouvez travailler ou développer en puissance, d'accord, tout simplement. Donc comment on fait ça? Parce que c'est bien d'avoir la force, d'accord, on peut tirer du braquet, mais si on n'avance pas et qu'on est tout de suite essoufflé, ça marche pas. Donc comment on va transformer ça? Eh bien, cette séance va vous faire, on va la faire ensemble ce matin. Moi je la fais à jeun, vous pouvez la faire en replay quand vous voulez. C'est pas une séance qui est trop exigeante, donc on peut la faire à jeun, même si, toujours pareil, à force les répétitions, ça tire un petit peu. Ok? Allez, j'ouvre. Je mets un petit peu de ventilateur et j'ouvre la fenêtre, bien entendu. D'accord? Voilà. J'allume la petite Garmin. Ok, donc vous pouvez commencer à tourner les jambes tranquillement. Moi, je me mets sur la page Facebook. Voilà, hop. Voilà, on y est les amis, voilà, ça y est. Super, je suis en direct. Salut Cyril, toi c'est Riquet ce soir, il n'y a pas de souci, je comprends. Je vais un petit peu, voilà, mais j'ai essayé de faire le montage de manière à être le plus confort possible, ne pas être gêné par la transpiration. C'est parti pour un tour, les amigos. Donc, bah, n'oubliez pas, hein, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, à minima par un petit pouce bleu et un cœur, et puis ensuite, sinon, par. N'oubliez pas de me dire d'où vous venez, de quelle région, et puis où est-ce que vous en êtes. Alors, salut Stéphane. Alors, on est parti là pour. 5 petites minutes d'échauffement, une bonne fréquence de pédalage, d'accord, voilà, 90-100 tours pédale par minute, une fréquence cardiaque qui va monter progressivement, okay. Une puissance qui n'est pas très élevée. Le but c'est de s'échauffer, il est 7h du matin, à ma montre ça y est, quoi, quartz. Salut Christophe de Grenoble, toujours pareil, hein. On fait 5 minutes d'échauffement pour chauffer le corps. Donc, ça me permet de répondre à vos questions. Salut Sam de Tours, mon ami Sam. Merci pour ton don très généreux. Remplissez votre gourde d'eau, 500 millilitres. Dans la séance qui va faire une quarantaine de minutes, on doit l'avoir torché, sinon on la finit juste après. Dedans, je mets des électrolytes. Salut Thomas. Voilà, on s'échauffe tranquillement et doucement. Salut Thierry, ce sera arrivé pour toi ce soir. Thierry de Fayence. Je crois que je me suis occupé de ton petit souci sur Noyo, Thierry. Donc tu me confirmeras ça. Salut Cui-Cui. Oui, on entend Cui-Cui. Alors c'est juste au démarrage, après ça disparaît, mais au démarrage, il y a un peu de Cui-Cui. Voilà, bon, j'ai huilé, j'ai graissé, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, voilà. Voilà, je vérifie hein, d'être toujours aux alentours de 90. Comme là, c'est facile, je suis monté au-dessus de 100. J'ai baissé un peu les watts. Ah, ouais, salut Laurent, ben, replay, bien sûr, vous êtes très nombreux en général à faire la séance. On est une quarantaine de la faire en direct. Puis après, ben, ça monte à 2500, 6000 vues, 10 000 vues pour certaines. Ah, salut Jean-Louis, le fidèle de La Rochelle. Ah, ben tu commences ton programme, très bien. Salut Pascal de Saint-Étienne. On ne t'entend presque pas. Ah oui, mon Dieu, continue à pédaler, les amis. C'est normal. J'ai oublié mes
Mes écouteurs. J'espère que je les ai pris d'ailleurs. En y pensant. Est-ce que j'ai pris les écouteurs? Si je ne les ai pas pris. Ah! 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 Eh bien, j'ai oublié les écouteurs. Bon, bah écoute. Merci de l'info, désolé, mais j'ai pas pris les écouteurs, je suis désolé. Donc je vais crier fort. Et je parlerai peu, je donnerai des directives. Salut Lien du Pays Basque. Donc on continue. Et voilà, quand j'arrive à 100 tours de pédale minute, assez facile, bah, je tombe une dent. Voilà, ça me permet de m'échauffer encore un peu plus. Voilà. Vous savez, le lundi matin, on attaque par la séance avec un peu de technique. Donc, préparez-vous, dans une minute, on va faire de l'unijambiste. Je pourrais un petit peu baisser là. La caméra, tant qu'on y est, hop, on fait ça. Voilà. Tac. C'est toujours mieux. Voilà, moi je fais ces petits arrêts. Bon, dans la phase d'échauffement, c'est pas très grave. Ça permet de faire les calages pour être plus confort pour vous, mes amis. Ok? Voilà. Voilà, c'est peut-être mieux. Vous voyez un peu mon pied. Bon, sur l'unijambiste, j'aurais pu me mettre de travers. Salut Olivier! Hello! Oh, mon ami Alain est en ligne. Bertrand aussi. Salut, salut Laurent. Donc, on attaque une minute. Alors, pas tout à fait. Je me mets jambe droite, unijambiste. Un bras qui est plus souple, d'accord? Je m'attache surtout à la qualité du coup de pédale. Vous connaissez maintenant. Poussez, tirez. Essayez de bien lever les genoux. Les chevilles souples et relâchées. Tant que je pédale bien rond. Ok, je fais mon unijambiste sans forcer. Surtout ne pas forcer. Ok. Si c'est 20 secondes, c'est 20 secondes. Si c'est 30 secondes, c'est 30 secondes. Mais je pédale bien. Quand je commence à sauter, à pédaler carré, eh bien, hop, je me remets jusqu'à la fin de la minute en pédalage de jambes. D'accord. Voilà. Et quand j'arriverai à la minute suivante, je me ferai la jambe gauche. Voilà, ok, jambe gauche. On est parti. Pédalage. Ok. Ah, évidemment, sur un entraîneur qui est fixe et pas rouleau, c'est plus facile, d'accord? Je peux me concentrer, donc je pousse, je tire. La puissance est assez... faible entre guillemets, d'accord, je suis autour des 150 watts, les pulses sont faibles aussi, okay. Et je tourne les pédales, voilà, une trentaine de secondes, voilà, là je commence à pédaler carré, on est la première, voilà, je finis la minute et je bois un coup, commence à voir la chaleur qui monte. Bon. Toc. Pardon. La droite, je pédale la droite. Je pédale. Toujours souple. Salut Nîmes, avec Gisela, cheville souple. Vous voyez, je sens que comme j'essaie de bien lever le genou, d'accord, comme s'il y avait un fil là qui m'obligeait à tirer le genou, les ischios, ça tire un petit peu. D'accord? C'est normal, en plus on est à l'échauffement. Donc je me remets les deux jambes pendant les 25 secondes qui restent pour arriver à la minute. Et ensuite je me mettrai. Jambe gauche,
On est parti. Bien souple. Bien relâché. S'il faut, je monte une dent. Il faut être vraiment souple et relâché. Je tourne aux alentours de 78-80 tours de pédale par minute. Vous voyez? Mais je ne m'attache pas à la fréquence. Peu importe. Je m'attache à la qualité du coup de pédale. Ça, c'est ce qui est important. Vous voyez, là, je commence à sauter. Je ne force pas. Je ne force pas. C'est à force de le faire que ça devient plus souple et plus fluide. Tout simplement. Voilà, là, quand je mets les deux jambes, je suis facilement au-dessus de 100, 105 coups de pédale par minute. D'accord? Et c'est un effort qui est très facile. 130, 140 watts. Ok? Allez, on arrive. Dernier à droite. Bien souple. Relâchez. Alors, toujours ma casquette pour que vous pensiez à mon ami Rudy Mollard et son projet de faire une école de cyclisme au Kenya. Il faut aider au développement du style cyclisme, mes amis. Chacun à sa façon, bien sûr. Donc, voilà. Hop. Allez, 1 minute 30 secondes pour tourner les jambes. Bon, évidemment, quand je tourne les jambes à deux, bah, j'essaie de m'appliquer sur mon coup de pédale. D'accord? Voilà. Ça tourne bien. Voilà. Les dernières minutes à gauche. Voilà. Et après, on finit. L'échauffement. 5 minutes de chauffe et 6 minutes, d'accord, de pédale unijambiste. On peut faire plus, évidemment, si vous voulez. Ben, merci Bruno. Je suis courageux de faire du home trainer à 7 heures. Franchement, je le fais pour vous parce que moi, j'ai un statut qui me permettrait de pouvoir rouler dehors. En ce moment, on a notre dalle qui fait beau. Donc, mais jusqu'au confinement, je m'y suis engagé 3 fois par semaine. Eh bien, je fais les séances avec vous. Et le matin à 7 heures, pourquoi? Ben parce que si je la fais à 7 heures, ben vous n'avez plus qu'à aller sur la page Facebook pour voir l'enregistrement et pouvoir le faire. D'accord? Donc, j'ai laissé comme d'habitude dans les commentaires, vous avez l'habitude maintenant, dans la description. Eh bien, si vous voulez faire un don. Si vous voulez prendre un programme avec capteur de puissance ou sans capteur de puissance, si vous voulez d'autres choses, vous nous faites un petit message en MP et ça sera bien comme ça. Voilà, allez, on fait 1 minute de fin d'échauffement tranquille. Moi, je vais faire un petit break pour aller ouvrir la deuxième fenêtre. Mettre le ventilateur à 3 et changer de capteur de sueur parce que je vais avoir tendance à beaucoup transpirer. J'ai bien ouvert la porte. Voilà. Ok. Donc, travailler en force, aucune résistance sur mon home trainer. Je vais juste changer le braquet et ça suffit la plupart du temps pour travailler la force. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite pente à 3% ou 5% selon votre niveau. Ok? Donc on fignole la préparation de l'échauffement. Voilà. Désolé, j'enlève la casquette, mais elle absorbe moins. Hop! Voilà, on se met sur le truc. Et on est reparti. Voilà, j'ai mis 30 secondes. Mais faire un break de 30 secondes après l'échauffement, c'est une bonne idée. Ok, vous pouvez vous sentir un peu raide, un peu douloureux. Voilà. Donc là, tranquillement, je vais aller me mettre sur le gros plateau. Voilà. Ok. Et moi, je vais y rester quasiment tout le long. Donc là, on va alterner 2 minutes de force, 10 secondes de sprint. Ok. Voilà. Donc là, vous êtes prêts?
Allez, c'est parti. On met le plus à droite possible. Alors, vous connaissez maintenant, hein, entre aux alentours de 50 coups de pédale par minute. Voilà. Je m'applique sur le coup de pédale. Je ne vais pas très vite en cadence de pédalage. Voilà. Ma puissance doit être une puissance d'endurance. Donc, voilà, moi je suis sur une trainer aujourd'hui, je vous l'ai dit, je pense aux alentours de 380 watts. Donc, ça veut dire que, bon, il faut que je pédale à peu près à 190 watts. Okay? Donc, en aisance respiratoire, pas de problème là-dessus. Voilà, 50 tours de pédale par minute. J'y suis. Vous voyez, là, je suis vraiment 50 tours de pédale par minute, 188 watts, 48% de la FC max. Là, je fais le job. Okay? 1 minute. Donc, encore 1 minute comme ça. Et ensuite, on fera 10 secondes de sprint. Où je garderai le même braquet. Et pendant 10 secondes, ben, j'essaierai d'accélérer le plus possible. Ensuite, j'enchaîne directement ma récupération en force. Voilà, on va faire ça, ben, un certain nombre de fois selon le programme prévu. Voilà. Encore une quinzaine de secondes. Donc pensez à vous appliquer, notamment à être relâché dans votre coup de pédale, même si vous êtes en force. Allez, attention pour le sprint. 3, 2, 1, sprint. Allez, 10 secondes. Top. 677 watts sur 10 secondes. Je garde le même braquet et je reviens au même braquet. Ok? Voilà. Je fais ma force. C'est reparti pour 2 minutes en force. Je reviens aux alentours de 180 watts pour moi. Ok? Ce qui correspond à 50% de ma PMA. Tout à fait, Franck. Vous voyez que, bon, là, j'ai bien récupéré niveau aisance, d'accord? Il faut que je fasse attention à tenir mes watts cibles. Je pourrais avoir tendance à, pour récupérer, tricher un peu, essayer de en faire un peu moins. Donc soyez attentifs. Et ensuite, dans 20 secondes, on va refaire un sprint. Voilà. Donc là, je vais faire en danseuse. Je vais en faire 3 en danseuse pour relancer facilement. 10 secondes. Et ça transforme vraiment notre force en puissance. 3, 2, 1, top! Allez! Top! 694 au plus haut, bien sûr. Hein. Allez, on revient. Et on respire tranquillement de manière à. Vous voyez, le sprint de 10 secondes, si on joue le jeu, en 10 secondes, on n'a pas le temps de monter vraiment au plus haut. Mais bon. Ça essouffle quand même. Ma FC Max monte à peine à 60%, d'accord? Ma FC Max, ce qui est loin d'être
Parce que en 10 secondes, le cœur n'a pas le temps de monter. Une minute de force. Je bois un coup. J'essaie de me maintenir. Salut Diaz de Toulouse. À ma plus sensible. Je fais un dernier sprint. Départ danseuse. D'accord? Dans 30 secondes. Top. 760 watts, vous voyez? Les watts montent de plus en plus. Ok, je suis plus chaud, j'ai repris mes repères, je suis confiant. Là, je me remets à 50 rotations par minute, 180-190 watts, et je vais voir la fréquence qui diminue. Voilà, maintenant je vais faire trois départs arrêtés. D'accord? C'est-à-dire que à 5, je vais quasiment m'arrêter à 0. D'accord? Le minimum de watts possible à 10 secondes pour faire un départ arrêté. Bon, je monterai sûrement moins haut en watts. Ok? Donc, départ arrêté en danseuse ou assise, à moi de voir. Mais je vais faire un départ arrêté pour être le plus puissant possible. Voilà. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top! Aïe! Je partais un peu haut. Top! 630 watts. C'est pas mal. On n'est pas quasi arrêté. Allez, on est reparti pour 2 minutes. Voilà, si je souffle bien, je récupère plus vite. Ok, je monte. Fais attention à mes watts. Vous voyez, même 50% de la PMA, ça paraît facile. Mais il faut arriver à le maintenir. Voilà. Donc j'essaierai d'être plus prévoyant, peut-être avant 10 secondes. Je ralentirai vraiment les watts de manière à vraiment partir. Il faut être en dessous de 50 watts. Allez, on ralentit, il y a 10 secondes. Voilà, de plus en plus léger sur les pédales. 5, 4,
3, 2, 1, départ arrêté, c'est parti. Allez. Stop. 712. 712 en départ arrêté, les amis. Y a rien là. Bien sûr qu'il y a quelque chose. Allez, on revient tout de suite à sa puissance cible. Il y a longtemps que je n'ai pas vu des pouces j'aime. Comme je sais, vous êtes nombreux à venir, passer, repartir. Faites-moi un petit pouce j'aime ou likez la vidéo, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Merci les amis. Je n'ai pas l'impression d'être seul. Vous voyez, ça me donne le sentiment que vous êtes là. Merci Judas. Allez, on boit un coup encore. Puissance cible. Je vais partir à partir de 15 pour diminuer. Peut-être voir si c'est bien. Elle est moins éprouvante que celle de vendredi, hein. Mais le travail se fait aussi sur la qualité gestuelle. D'accord? Je vous rappelle que je suis en troisième semaine de reprise. Donc forcément, ça va être un petit peu plus cool. Allez, là, 15 secondes, je ralentis vraiment pour arriver quasiment à l'arrêt. Pas de watts sur les pédales. 5, 4, 3, 2, 1. Gauche, je suis à gauche, c'est pas grave. Allez, gars. Top. 740 watts. Voilà, on n'est pas arrêté. Oui, force et sprint. Le matin au réveil et à jeun. Voilà, le matin, du coup, quand vous êtes à jeun, vous allez surtout vider vos réserves glycogène hépatique. Celles qui servent à faire fonctionner les organes, le cerveau. Mais le glycogène musculaire, bon, à moins que vous ayez couru pendant la nuit, vous êtes battu avec votre compagne. Ben, vous l'avez toujours. Donc, on peut faire des petites séances à jeun sans risque. D'accord? On y est. Voilà, il faut faire court. Il faut faire peu d'intensité. Mais ça passe. D'accord? Allez, dernier sprint en départ arrêté. Voilà, 30 secondes, on démarra. Il fait bon, hein, il commence à faire chaud. Voilà, j'ai commencé un peu à baisser les watts un peu tôt là. Donc, bon, je tiens comme ça. Attention, 15 secondes arrive, je ralentis. Pour être en dessous à 50. D'accord? Voilà, quasiment je m'arrête. 10 secondes. Voilà. Là, je suis un pistard. Hein. D'accord? On est quasiment arrêté. 3, 2, 1, go! Allez! Top! 730 watts. Je baisse un peu. Vous voyez, bon, peut-être un peu de fatigue justement, hein, un peu moins de glycogène. Bon, je suis parti sur la manivelle gauche aussi. Sur 10 secondes, c'est le genre d'état qui est important. Tout à l'heure aussi, mais je l'avais bien enroulé. Vous voyez, là, j'étais en bas sur la manivelle gauche. Donc, bref, ok. Allez, on est parti sur 3 minutes de sprint avec du gros braquet. Et assis, pas de danseuse. D'accord? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait quasiment que du départ lancé danseuse.
Il y en a qui mettent de la pub sur ma chaîne. On gonfle. Allez, on y va, on est la plus sensible. Minutes, puissance 185, 180 minutes, parfait. Donc là, je vais pas forcément ralentir ma puissance, c'est pas un départ arrêté, d'accord? C'est un départ à la puissance cible, ok, mais assis. Donc là, ça fait beaucoup plus travailler les lombaires et la chaîne postérieure, fessier, grand fessier, ischio, en 5 secondes. 3, 2, 1, go! Top! 680 watts, forcément, hein? Assis, ça monte moins haut. Alors, Alexandre, il me dit un truc. Je redoute ces séances à jeun car j'ai peur de tomber. Non, il faut y aller progressivement. Alex, s'il faut, tu fais une séance à jeun, tu fais que l'échauffement. Après, tu prends une gourde avec de la boisson énergétique, éventuellement une barre ou un gel pour te rassurer, et tu finis la séance. Puis après, tu commenceras à prendre une gourde d'eau électrolyte pendant la première demi-heure. Puis après la gourde énergétique et ainsi de suite, tu verras que tu tiens sans problème une heure avec ce genre de séance et ça va améliorer considérablement tes qualités en endurance en fin de sortie, la façon dont tu brûles les graisses. Donc faut pas gêner, c'est vraiment des super séances, ok. Secondes. Merci Maxime, au top les séances, c'est gentil. Ouh. Petite essuie quand même. Ah, allez, on va sur braquet, on va partir assis, c'est le deuxième sprint assis. Et dans 5, 3, 2, 1, top. Top. 700, 695 watts. Ça remonte un peu. Salut mon ami Bernard. Tu fais la même sur Room Trainer dans 2 heures? Ben écoute, le jour où tu veux la faire dehors, vers chez toi là-bas, tu me dis je viens. Plus sensible, hein, 50 rotations par minute, 51, 52, 180, 180 watts. Je vais essayer de stabiliser. FC aux alentours des 55 pour moi. Voilà, là je suis à 52 rotations par minute, je suis entre 180 et 185 watts et je suis à entre 53 et 55% de l'AFC max. J'ai toutes mes données. En 30 secondes, on fait déjà le troisième sprint assis. Attention, dans 5 secondes, 3, 2, 1, go!
Top. 663. Allez, là, ça commence à... Ouais, on les sent bien, là, les sprints. Pour maintenir la puissance, il faut que je me déchire un peu, quand même. Alors, quels sont mes objectifs 2021? Comme tout le monde, je suis un peu dans l'expectative. Honnêtement, mon objectif, c'est de me qualifier au championnat du monde half de Ironman, dans ma catégorie d'âge, bien sûr. Et ensuite, c'est les championnats de France half de ma catégorie d'âge. Ce sont mes principaux objectifs. Après, apparemment, il va y avoir un triathlon L sur Embrun. Donc j'aimerais bien le faire, mais ça va être une découverte. Voilà. Et les objectifs sont, par exemple, de courir à 13 à l'heure les 21 km d'un triathlon half. Donc après avoir fait 2 km de natation, 90 en vélo, je suis capable de courir 21 km à 13 à l'heure. J'ai réussi sur 10 km et après je me suis un peu effondré, je suis tombé à 11 à l'heure. Sur un hall, bien sûr. Donc là, j'aimerais tenir. Allez, dernier sprint, comme vous voulez, dans 10 secondes. Ok. Moi, ça va être sprint max, lancé. Je vais venir. 5, 3, 2, 1, go! Dans 7 watts, c'est pas mon record. Hein. Mon record est à 1200 watts, mais bon, c'était en extérieur en montée avec des mecs. Et puis j'étais plus jeune, donc là c'est un matin en juin. Je sais pas si mal que ça. Ok, donc je finis mes 2 minutes à puissance libre, d'accord, et après j'attaquerai. La récupération. Ok, donc là je reste en force, plus sensible. Voilà. Voilà pour mes objectifs. Voilà, c'est déjà pas mal parce que j'ai une année un peu compliquée sur le plan personnel et professionnel. Je vous rassure, rien de grave, mais j'ai des choses à régler. Vous savez, mon papa est mort, etc. Succession, machin. Professionnel, il y a pas mal de choses que je dois vraiment faire, notamment finir d'écrire ce bouquin et puis d'autres choses. Voilà, sur le plan personnel aussi. Enfin bref, donc si vous voulez, c'est déjà pas mal. Hein. C'est 2 beaux objectifs, se qualifier aux championnats du monde de ma catégorie. Les championnats de France, l'année dernière, enfin, cette année en 2020, j'ai fini 6e vétéran de 50 ans. Bah écoutez, la même chose serait déjà bien. Et puis, bonjour du Cantal, Nico, pour ta séance, moi ce sera ce soir. Okay. Voilà, si je maintiens le top 10, je serai content. Si je descends dans le top 5, ça serait mon défi. Voilà, donc je sais que en course à pied, j'ai 10 bonnes minutes à gagner. En natation, je pense que je peux un peu gagner parce que compte tenu des entraînements cette année, c'était compliqué. Et en vélo, je pense que je peux gagner un petit peu aussi. Voilà, en perdant un petit peu de poids encore au moment des courses. Et puis, voilà, en ayant un entraînement encore plus pointu pour moi. Quoi. Voilà, hein, c'est vraiment, je monte de niveau. Quoi. Je suis passé un cran. Ok? Allez, on se remet sur le petit plateau, doucement. Je mets de la vélocité. Voilà, au moins ça va être un retour au calme de au moins 5 minutes. Toujours pour éliminer les déchets. D'accord? 5 minutes. Merci pour vos pouces et vos cœurs. Voilà.
Donc, vous, bah, vous pouvez me partager vos objectifs si vous voulez. Et puis, comment vous entraînez? Est-ce que vous avez un entraîneur ou pas? Est-ce que vous êtes sur les plateformes Moodle ou autre? Mon format préféré en triathlon, c'est le L. Voilà, vraiment le L, parce que l'Ironman, c'est beau, mais ça demande trop d'entraînement et de sacrifices pour mener une vie de famille. J'ai 4 enfants et c'est ma priorité. J'ai une entreprise à faire tourner. Je dois m'occuper de vous, du vlog. C'est une grosse chose. Donc, je ne me sens pas de faire les sacrifices supplémentaires. Même s'il y a plein de gros écarts avec le half, il y a quand même un écart significatif. Et puis après, ben, le M ou le S, ça va trop vite. Ça va trop vite. Voilà, en natation, ça va trop vite pour moi. Sur le vélo, ça irait à peu près. Mais bon, il me manque un chouïa de puissance explosive avec l'âge. Et en course à pied, ça va trop vite pour moi. Pour moi, je n'arrive pas à retrouver mon niveau. Donc, jeune, quand j'ai fait les championnats du monde en 94, j'ai arrivé à courir un 10 km après un triathlon en 34 minutes. Bon, ça me permet d'être dans la course. Relativement, quoi. Aujourd'hui, j'ai du mal à faire 40 minutes. C'est trop loin pour être significatif et pouvoir m'éclater. Voilà. Salut Alain! Voilà, donc là, hop, je baisse une dent, je garde la vélocité, j'élimine. Salut Alain de Suisse! Ah, c'est sympa ça! C'est vrai, l'autre jour j'ai vu, il y a des gens qui suivent du Japon, de Sydney en Australie. Donc, le Japon, Sydney en Australie, les États-Unis, le Mexique, ont vraiment. C'est très, très international, c'est l'intérêt de Facebook, hein. Enfin, des réseaux sociaux. S'il y a des choses qui sont bonnes dans les réseaux sociaux, c'est vraiment ça. Voilà. Une bonne récup. On est à 40 minutes, l'exercice tout compris. Moi, je vais faire encore 2-3 minutes de retour au calme. Ok, parce que comme ça, j'ai bien éliminé, j'ai bien réoxygéné mon organisme. J'ai bien éliminé les toxines, ça m'a peu. Normalement, ce genre de séance fait peu de toxines et peu de fatigue, d'accord? Mais elles sont elles-mêmes très intéressantes en récupération parce qu'elles permettent de récupérer par une élimination, mais d'aller solliciter les fibres musculaires qu'on a sollicitées pendant l'effort, qui ont des déchets lactiques et autres à l'intérieur. Et donc, même avec les sprints, on va aller chercher des fils musculaires qu'on n'aurait pas cherché. Bon, mais bonne chance, Christophe, pour ton opération en janvier. Allez, un petit pouce j'aime ou un petit cœur avant de partir. Ok. Encore une petite minute ensemble. Donc, comme d'habitude, si vous êtes gentil, j'aimerais bien une pluie de pouces j'aime ou de cœur selon quand vous avez aimé la séance. Ça me motive à vous faire la prochaine séance mercredi, donc à 7h du matin. D'accord, à jeun, comme d'habitude. Ah, merci. Un petit cœur qui arrive. Un petit pouce. Oh, c'est petit Milou ce matin. Pas grave. Ah, ça y est. Quelques petits cœurs, quelques petits pouces. Ah, ça y est, ça se réveille. Merci les gars. Ah, voilà, des cœurs. Réussi. Il y en a, ils me font. Difficile de définir des objectifs encore pour le moment. Donc, tous les. C'est grâce à tes séances du premier confinement que je m'y suis remis. Eh bien, écoute, super. Merci Cathy, merci les amis, merci à tous. Allez, eh bien ça fait 43 minutes. Je vous souhaite une belle journée.
Profitez bien de ce genre de séance. Ben Alexandre nous donne une bonne indication, c'est que mon application Mon Coach Vélo est à nouveau active. Je ne le savais pas. D'accord, je vais essayer de la re-télécharger, moi. Et c'est effectivement, c'est une très bonne application pour vous entraîner. OK? Application Mon Coach Vélo. Vous voyez, ben je transpire, hein, je ne triche pas. Les séances, je les fais avec vous. C'est bien d'écrire les séances, en théorie, hein, de savoir. Mais bon, c'est bien de les faire. Voilà. Donc, bonne séance. Hier, j'ai couru 13 bornes quasiment avec mon ami Romain Garcin. On s'est régalé. Allez, je vous dis à mercredi, les amis. Ciao.